concert en Espagne. Voilà. C'est toujours pareil. Attendez. Dès que je filme, ça s'arrête. La vie s'arrête. Fait chier. Ah oui, c'est ça, on a oublié de l'exporter. Je l'ai enlevé, tu l'as pris? De quoi? Tu l'as pris ou pas le segment du d'ambiance bar? Bah oui, c'est ça. Inside. Là, on ne peut pas être plus dedans. Petit gars, ils sont en mode marathon. Un marathon du court métrage en 48 heures pour faire un film, c'est vraiment peu. Surtout quand vous essayez de chiader un peu l'image, etc. Et c'est moins stressant quand même de, quand c'est pas ton propre film. Tu te dis, si c'est foiré, bon, bah, je suis pour directement incriminé, on va pas me montrer du doigt dans la rue. Voilà. Normalement, il faut rendre les films à 19h, les 21h. Puis il y a une demi-heure de route, donc je pense qu'là, ils sont en train de chiader des trucs, ils devraient pas, ils devraient juste... Mais c'est bon, ça. Exporter, il faut exporter, les gars. Ta gueule. Il a raison. On le croirait pas, mais c'est le marathon du court-métrage, ça, les gars. C'est les biomans. Oh, ça va, apparemment, c'est pas mon étage, donc... Il y a des gens qui n'existent pas. La machine à laver à minuit 40. J'ai l'impression que c'est une machine à laver, j'espère. Sinon, c'est extraterrestre. Ça attaque, ça. Un ou deux étages plus bas, et... Moi, c'est léger, ça me dérange pas, mais... J'imagine les gens, c'est l'appart à côté. Ils sont contents, les mecs. Le voisin de merde. De ce genre de merde, comme ça. Pourquoi? À quoi ça sert d'exister dans ces conditions? J'aimerais bien qu'on me le dise. Nous sommes bien en 2013, hein, comme mes cheveux peuvent l'attester, mais j'ai l'impression d'être de retour dans les années fin 80, 90. À l'époque, un peu, les jeux vidéo, on pouvait aller dans les dossiers trafiquer, et là, j'ai fini World of Goo, et j'ai farfouillé pour récupérer une sauvegarde. J'ai vu, il y avait les sprites. Je me dis, tiens, est-ce que ça peut marcher? Bah, ça marche très bien. Hein. Normalement, ici, c'est les petites sphères noires. Ça prend même en compte la transparence, et voilà. Le résultat est pas mal. Alors le sprite là est minuscule, donc c'est pas évident de faire un truc propre. Je pense que vous avez compris l'idée, hein. Alors on va aller dedans parce que j'ai trafiqué d'autres images. On va lancer un stage, voir si ça marche. Vite fait, là on voit, vous voyez, et là, oh là là, l'horreur. Il bousille le jeu, il est complètement mis en misère. Avec les yeux, parce que les yeux on peut les changer aussi. On peut faire des touffes de poils. J'ai vu que ça prenait aussi en compte donc la transparence, c'est-à-dire que dans le jeu on manipule des sphères, mais nous si on veut, on peut faire des... Carré. Ouais, ça prend un peu de temps et pas le temps de... Là je suis sur le voxel, le shelter, les amis. Donc c'est soit je m'amuse avec ça, soit je vous fais le shelter. Donc j'ai quand même plus envie de vous faire le shelter. Pour les gens donc, qui ne filment jamais, du point de vue des gens qui filment, ils se rendent pas toujours compte que comment, pourquoi ça peut être compliqué ou long de filmer le moindre truc que... Puis on voit rien, hein. C'est très noir, malheureusement. L'attaque des feuilles. C'est chouette parce que les feuilles ça fait pas mal. Vas-y, mais je veux qu'on voit là. Là on voit peut-être. Oh, ça c'est beau ça. On voit. Jurassic Park, là. C'est chelou, c'est super net les feuilles. Normalement, faut une lumière chère au cinéma pour pouvoir faire une ombre nette. Et là, on dirait un truc fait exprès. Immense, quoi.